Ed ora, signore e signori, vi presenterò una ragazza che ha una voce veramente bellissima. Ogni anno ha partecipato alla festa interregionale alla casa nostra ed oggi non poteva mancare. En effet, Maria, elle a une très belle voix. Lors de nos spectacles, elle a toujours été présente parmi nous. Elle ne pouvait donc pas manquer à celui-ci. Letizia De Leonardo, possiamo realizzare i nostri sogni. Quasi l'alba, e sul banco poggi su, vedere in fondo sempre, gli occhi sopra i libri non stai volando, oh, libero, sopra ogni follia della città. Quanti scommessi corrono, come guidano i passi, catturati dal vento, ma noi possiamo realizzare i nostri sogni oggi, forse tra pochi giorni, come in una favola, come in una canzone, come in una favola. A Dio non c'è professore che ti spiega la vita, madre, figli, fratelli, stessa storia di sempre, e se potessi almeno una volta regalarti il presente, ma noi possiamo realizzare i nostri sogni oggi. Forse tra pochi giorni, come in una favola, come in una canzone, come in una favola, come in una canzone. Fuggiano via da qui, adesso via da qui. Signore e signori, mesdames et messieurs, Letizia Di Leonardo, un grandissimo applauso, s'il vous plaît. Elle est vraiment venue de justesse. Elle aussi, il y a 10 ans d'ici à la buvette, elle débutait. Te souviens-tu de ce moment? Oui. Tu avais quel âge à ce moment-là? 10 ans. 10 ans. Donc, Fille et Délestelle, elle n'est pas un groupe qui est né aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Donc, c'est un groupe qui existe depuis au moins 10 ans. Et avant, c'était encore mieux. On faisait des spectacles avec Fabio Sambuccini, avec Maria, avec Isabella. On est tout ça un groupe. Et il y a 10 ans, en effet, que le groupe s'appelle Fili delle Stelle. Quelle impression ça donne de revenir sur scène? On trouve les mêmes émotions.
C'est très bien. Merci beaucoup. Une petite plaquette commémorative de Philly Delle Stelle que j'ai oublié à donner aux autres, mais bon, je les donnerai par après. Et merci beaucoup. Voilà. Merci, les titres.